Salut les kids, ça va, je vous ai pas trop manqué? Pas trop déçu par la partie 1? Cool, moi non plus! Alors je suis finalement arrivé le jour 3 à Koutaïssi, dans l'ouest de la Géorgie. Comme il y avait eu une tempête pendant plus de 2 jours, j'ai pu apercevoir une énorme crue de la rivière qui traverse cette ville. C'était assez impressionnant, surtout au niveau du bruit, on s'entendait presque pas parler. Comme il faisait moche et que j'avais fait un tour rapide de la ville et de ce qu'il y avait à voir en périphérie, à savoir une vieille église située en hauteur, j'ai décidé de partir le lendemain à Gori, le lieu de naissance de Joseph Staline, un gars qui a fait le buzz dans les années 40. Je suis monté dans une petite Machouka qui m'a déposé en banlieue de Koutaïssi, où j'ai fait du stop dans la mauvaise direction avant qu'un petit vieux surgisse de nulle part et décide de m'arrêter une autre Machouka qui a fini par me déposer à Gori. Stop. Je vois que vous froncez les sourcils en entendant le mot Machouka. Or, il est important que vous saisissiez bien l'étendue du concept. Il s'agit d'un minivan Volkswagen qui fait office de bus ou de taxi collectif à prix très réduit. Il y en a qui restent à l'intérieur de la ville et d'autres qui relient plusieurs villes entre elles. Mais bon, le plus important, c'est que c'est vraiment pas cher. Ah oui, ils conduisent aussi comme des tarés. Ils doublent dans les virages, conduisent sur deux bandes comme s'il y en avait trois, klaxonnent en permanence, dépassent les limites de vitesse et j'en passe. Tout ça parce qu'ils veulent faire du chiffre en enchaînant les trajets au maximum. J'ai craint plusieurs fois pour ma vie, mais bon, vous aurez deviné que j'ai survécu. En vrai, j'adore les Machouka. Bref, j'ai fini par arriver à Gori où un taxi m'a conduit dans le centre devant le musée du communisme où j'ai pu voir la maison natale du camarade Staline, protégée par un mausolée et derrière laquelle se tient encore debout une statue à son effigie. Je ne sais pas comment font les gens pour résister à l'envie de la démolir, mais bon, dans l'ensemble, ça reste un monument et ça leur assure effectivement une certaine part de tourisme. Après ça, j'ai un peu traîné dans les alentours avant de remonter dans une Machouka pour Tbilissi, la capitale géorgienne où j'ai décidé de passer une nuit avant de repartir directement vers le nord à Stepansminda. Dans ma maison d'hôte de Tbilissi, j'ai justement rencontré une fille dont une amie voulait s'y rendre, mais pas toute seule. Du coup, on a décidé de faire le voyage à deux jusqu'à Stepansminda en Machouka. La route était assez sublime pour être honnête, et voici une petite minute de vidéo pour en témoigner. Une fois arrivé à Stepansminda, on a traîné un peu dans le centre-ville. Bon, j'avoue, c'est un village paumé, mais il y a de chouettes animaux un peu partout. Après ça, on a fait du stop pour aller dans notre auberge, dans un bled encore plus paumé comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Le lendemain matin, on s'est réveillé vers 4h45 et on a commencé notre randonnée à 5h10. Je vous laisse un moment avec les images. Ah oui, tout ça c'est de l'eau potable. Cool, non? We'll be right back.
Alors je suis actuellement en face du mont Kazbek, dans le nord de la Géorgie. Je suis actuellement à 2900 mètres d'altitude. Le mont Kazbek culmine à 4000 mètres d'altitude. C'est un glacier. Il se trouve derrière ces nuages-là. C'est assez impressionnant. La vue est dingue. Après ça, je suis descendu de la montagne à pied. J'ai pris la première Machouka pour Tbilissi et j'y ai passé la nuit, puis la journée, puis la nuit. Toujours dans la même auberge avec un petit chat trop mignon. Avouez qu'il était vraiment trop mignon. J'avais effectivement besoin de récupérer de l'énergie parce que j'étais KO à cause de l'ascension que j'avais faite avec mon gros sac de voyage de 10 kg. Tbilissi est une chouette ville pour être honnête. Il y a de belles églises, un melting pot architectural intéressant entre les périodes médiévales, soviétiques et actuelles, et il y a même des funiculaires, et ça, c'est trop cool. J'aurais dû y rester un peu plus de temps, mais j'étais vraiment impatient de découvrir l'Arménie. J'ai donc sauté dans une Machouka qui m'a conduit vers d'autres horizons. La suite, au prochain et dernier épisode. Ah oui, et comme d'habitude, voici encore des petites conneries sympathiques. Allez, bisous. Mais non, je ne suis pas du tout communiste. Enfin, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce qui est cool en Géorgie, c'est que si tu veux pas aller à l'église, bah tu peux toujours aller à l'église. Bon les gars, on va pas y aller par quatre chemins. Si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est parce qu'il y a vraiment un bordel avec vous. C'est que, déjà, vous manque un bras, ou deux, ou alors c'est l'épée qui est pétée, ou alors là, il manque les deux bras, il a même pas d'épée. Non, franchement, il a dû laisser aller là. Donc j'avais demandé un abonnement Basic Fit, mais du coup, je me suis fait avoir.